La séance d'entraînement de ce matin a eu lieu en présence de la presse, mais surtout en présence des ultras de l'équipe nationale. Les joueurs étaient très détendus et très décontractés, ce qui en dit long sur le travail psychologique accompli jusque-là par Rabah Saadan et ses collaborateurs. Une séance typiquement technico-tactique, histoire de préparer dès maintenant le rythme qu'il faudra imposer aux Slovènes. Yebda et Kansor sont déterminés à ne pas décevoir et entrer le mondial par la grande porte. Tout ce que je peux promettre, c'est qu'on donnera notre maximum et qu'on essaiera de sortir de ce match sans regret. Je crois que c'est le plus important. On est complètement concentré, on est complètement dedans. Maintenant, il va falloir le montrer sur le terrain et justement faire de notre mieux pour mérité cette place en Coupe du Monde. Qui va se passer un petit peu pour ce match-là. Donc, je pense que tout va se jouer aussi dans le mental parce que c'est ce qui fait notre force. Donc j'espère qu'Inch'Allah, tout le monde sera prêt à ce moment-là et faire abstraction de tout le reste. Une autre séance d'entraînement à 3 jours avant le match contre la Slovénie. Une séance d'entraînement qui se déroule dans une ambiance bon enfant, une bonne humeur. En tout cas, les joueurs sont déterminés à rester concentrés sur le sujet et donner le meilleur demain pour bien négocier ce tant attendu match contre la Slovénie. Mohamed Boutelir.